lancer réellement cette vidéo, je voulais d'abord m'excuser pour la fin un petit peu abrupte du dernier épisode. En effet, mon disque dur local n'avait plus de place. La vidéo fera ce pesant à peu près 85 gigas. J'ai dû d'abord faire quelques réglages afin de pouvoir créer cet épisode. C'est bon, j'espère que vous comptez vous. Moi je vais bien aujourd'hui pour l'épisode 3 du coup de Bioshock, Bioshock premier du nom. On s'est arrêté juste ici, pile ici, hein, le... Il est quelle heure que je regarde? 22. Donc à 42 on arrête bien entendu pour éviter de prendre trop place. Mon Fraps n'a pas apprécié, enfin mon ordinateur n'a pas apprécié tous les fichiers Fraps. Un parasite rôde dans les couloirs. Nous rebâtissons notre cité et les incrédules envoient une mouche souiller notre onguent. Mais non, c'est faux. Nous offrons 1000 Adam à celui ou celle qui lui clouera les ailes. Mais c'est faux. Bref, il y a un truc ici, donc il y a un jardin des glaneuses, donc ça on verra ce que c'est plus tard. Et on a ici incinération, donc c'est un nouveau plasmide. Donc je sais pas si c'est un... Normalement c'est pas un objectif principal, hein, parce que c'est pas ici l'objectif principal. C'est... Ce plasmide là c'est un objectif secondaire, mais bon, ça marche toujours. Donc c'est plasmide incinération. Oui, oui. Mettez le feu et plongez vos ennemis dans la fournaise. Avertissement, les flammes peuvent se propager. Et vous allez voir comment c'est incroyable. Donc Andrew Ryan veut offrir 1000 Adam à ceux qui vont réussir à me coincer. Voilà. Excusez-moi, je vais devoir faire une ellipse pour baisser le son parce que c'est pas possible. Ellipse. Et non, voilà. Donc Ryan a promis 1000 Adam à celui qui me coincerait. Le problème pour eux, c'est que je viens de d'obtenir un nouveau plasmide et qu'ils sont sur une belle petite flaque d'huile. Le feu! Le feu! Tous les chemins de rapture mènent à Ryan. La sécurité, les gros hommes, les protecteurs, les petites sœurs. Ryan diffuse une sorte de parfum de synthèse dans l'air. On appelle ça des phéromones. Avec ça, tout ce petit monde lui obéit au doigt et à l'œil. Je vais simplement remettre les sous-titres du coup. Parce qu'on va fixer au son de jeu. Voilà, au son de jeu. Sous-titres. Tac. Et vous voyez ici en bas, petite sœur dans ce niveau, il y en a deux. Eh bien, on va expliquer ça quand on y sera. Ce sont les choix moraux en fait. Ce jeu a deux fins. Ce jeu a deux fins, une bonne et une mauvaise. Je vais faire la bonne fin parce qu'elle est plus rentable. Si la mauvaise fin avait été plus rentable, j'aurais fait la mauvaise fin. Quoique. On va finir de fouiller cette zone. Hein. On va pas mettre trop longtemps non plus. On va essayer de se dépêcher. Tac. Oula, il y a un truc ici. Munition. Inventaire de munitions. Ok, j'ai un chargeur. J'en ai deux. On va rester à la baramine. Baramine arc électrique, je pense que ce sera bien. Donc là, on a notre belle machine qui nous appartient. On peut même la frapper. Non, bon, la flemme. On foutons le camp. On n'est pas censé être ici. Tac. Donc on devait, je sais plus où on devait aller. Quel est le plus grand mensonge de tous? On devait pas aller par là. Quel est le pire outrage fait à l'humanité? Ah si, par là. C'est un monde semi-ouvert, hein. Oh. La bonté des plus adultes, ni même vertu, c'est une obligation morale. Obligeons des biens portants à vivre avec les malades. Mélangeons-nous les criminels et les honnêtes gens? On les a vus tout au début du jeu, dans le premier épisode, la petite fille bizarre et le protecteur. Donc la petite fille bizarre, on va nous dire ce que c'est plus tard. Oula, je vais éviter de casser ça, moi. Ce serait problématique de recevoir plusieurs milliers de tonnes d'eau sur la tronche. Il est complètement siphonné ce type. Je n'ai pas terminé, ce n'est pas fini. Je l'ai pas eu, non, il s'est barré. Vous devrez trouver un moyen d'atteindre l'aile chirurgicale. Et ça va terminer. Allez, pour les cœurs, l'oxygène n'est même pas les poltrons. J'entends ce gros homme. On se croirait le soir de la fête nationale. Les explosifs sont une denrée rare ici. Mais
ça pourrait être bien ça. Ça pourrait être bien. Munitions. Je vais essayer de racheter quelques balles. Je vais pas le pirater parce que pirater c'est chiant. Par contre, ce que je vais faire, c'est briser ce truc. Voilà, je prends le kit de soins qui loot. En plus, il y en avait un deuxième seul, donc c'est très bien. Donc ça me fait un kit de soins. J'adore l'ambiance de ce jeu. Ce jeu est tellement vivant en fait. L'univers est tellement vivant. Hop, un petit pistolet. Par où aller, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout par où aller là. Ah, peut-être. Oui, on n'a pas de plasmide télékinésie, donc faut aller en chercher un. Et c'était quoi déjà la touche? C'était ça. La touche là. Et du coup, le protecteur il est encore là. Il tourne en rond. Bon, on l'entend bien en tout cas. Oh tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a rien. J'adore cette barre à mine. Elle est. Pef! Hop! Oula, 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 oula! Paf! Casse-toi, casse-toi! Boum! De l'argent, de l'argent. Merde. Plus de dev. Ah! Zbla! Ok, de l'argent et des pommes chips. On va aller en bas. Voir ce qu'on peut trouver. Dentier. Ah, ça c'est bien ça. On va pas aller là tout de suite. On va aller voir ailleurs avant. Se promener. Des caisses. Dans les caisses, il y a rien dedans. Rechargeons. Tant qu'on peut. Qu'est-ce qu'on a ici? On va économiser notre argent. Electric supplies. Des fois ils nous font des coups tordus en planquant des tourelles dans les coins, donc je me méfie. Outils de piratage automatique. Ça c'est bien, ça nous permet de, au lieu de faire le mini jeu de piratage ou de payer pour un piratage automatique, bah ce truc là en fait nous fait que, regardez, je vais vous montrer ça. On peut pirater avec le mini-jeu, on peut racheter la machine pour un peu d'argent pour la pirater automatiquement, ou on peut utiliser l'autopiratage. Mais l'autopiratage, il faudra l'utiliser quand ce sera vraiment nécessaire. Et donc on a eu le plasmide incinération, ce qui nous permet de faire fondre la glace. C'est ce qui s'appelle briser la glace. Elle est pas morte! À la cata! Paf! Brûle! Les chrosomes sont très intelligents, c'est-à-dire que s'ils voient qu'ils prennent beaucoup de dégâts, ils vont aller vers des centrales. Ouh, je vais pas aller là moi. Ça me fait peur. Ils vont aller vers des centrales de soins. Ouh! Il y a un cadavre ici! Putain! C'est la folie, c'est. Putain! Ah! Mais lâche-moi! Ah merde! Bon, restons à la baramine. Des dollars, des missions pistolets, du whisky, je n'y. Oh le con! Performance. Ok, ok. Bon, du coup, j'ai plus que ça. Ok. Ok, donc ça c'est les munitions perforantes, c'est plus efficace contre l'armure, les tourelles et les protecteurs. Donc, pirater. Là par contre, un coffre, c'est auto-piratage sans tester. Hein, c'est hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La chevrotine et les munitions perforantes. Parfait. On va voir de l'autre côté, il y avait un autre cercueil. On va regarder ça. Pavé numérique. Il doit y avoir un code quelque part. 0451, parfait. Chevrotine, donc on va avoir le fusil à pompe pas longtemps, visiblement. 0451. 0 4 5 1. Parfait. Les munitions, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un outil, une soirée. Je me gratte le dos. Il y a d'autres chevrotines. Et on peut aller dans cet endroit qui me fait peur. Il y a des cadavres, c'est une morgue, je hais les morgues.
Il y a quelqu'un là-bas. Oh. Oh. Qui s'est barré par là? Je peux pas me faire voir. Je prends ce truc là. Explore en sécurité. Une innovation de la gamme AxeSmart, l'Expert en sécurité a été conçue pour les pirates spécialisés dans la neutralisation des systèmes de sécurité. Ne courez plus aucun risque avec l'Expert en sécurité. Et ça fait quoi? Réduit la difficulté du piratage des tourelles, robots et caméras. Donc là, c'est la deuxième. Il y a 3 ou 4 arbres. Non, 3 arbres. Il y a 3 arbres de compétences passives. Donc ça, on est au deuxième. J'essaierai de trouver où sont ces arbres. Et là, c'est là qu'on voit la dimension flippante du jeu. Où est ce type? Avec la musique en fond, on sait pas où il va arriver. Je flippe là. Là je flippe à mort. Putain, je me doutais bien. Voilà. Au moins j'ai eu. Il y avait rien ici. Tout ça pour un simple ennemi, hein. C'est, je vous promets. C'est pas le moment qui m'a fait le plus flipper dans le jeu. Hein. Mais pourquoi? Pourquoi je tire avec ces balles là, moi? Baramine, y'a que ça de vrai. Paf. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un audiologue. Steinmann, je sais que le pavillon médical est votre domaine réservé, mais réfléchissez. Cet océan est glacial, plus froid qu'un couteau de boucher. Si on ne chauffe pas les canalisations, tôt ou tard, elles vont geler. Et si elles gèlent, tôt ou tard, elles vont éclater. Et tôt ou tard, Rapture va prendre l'eau. Je me rends compte que vous êtes plutôt du genre huppé et franchement, je me moque éperdument de ce que vous arrivez. Cependant, si Rapture prend l'eau, nous courons à la catastrophe. Et si ce jour-là arrive, croyez-moi, je ferai en sorte que Ryan vienne vous empêcher de mots. Donc on apprend un peu les histoires de quelques personnages. Soin universel. Et là on a quoi? Référence à Doom. Qu'est-ce qui se passait dans Doom 3 quand vous preniez une fusée à pompe? Il y avait un piège. Bien évidemment. Il y avait un putain de piège. C'était pareil dans Doom 3. Hein. Dans Doom 3, vous preniez le fusil à pompe. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Putain. Dans Doom 3, quand vous preniez le fusil à pompe, il y avait un ascenseur qui se déclenchait. Tu vas mourir, oui. Paf. Allez. On en a un autre. Écoutez, saleté. Allez, recharge. Donc je disais, dans Doom 3, en fait, ce qui se passait, c'est que quand vous preniez le fusil à pompe, il y avait un ascenseur qui se déclenchait et vous vous retrouviez dans un sous-sol rempli de zombies. Donc c'est des zombies, il me semble, dans Doom 3, des zombies très spéciaux. Et du coup là c'est une référence à Doom 3 ce passage là, c'est le fusil à pompe, c'est toujours un piège dans les jeux vidéo, cherchez pas. Donc maintenant on a une arme intéressante avec beaucoup de balles, beaucoup de cartouches, donc on va la privilégier. Je sais pas quelle heure il est, on sait jamais, hein. On a dit 42. J'aimerais éviter que mon PC soit à nouveau plein. Oh god! Ok. Du coup, faut monter là. Faut monter là. Ah bah. Dépensement. Une tourelle avec des munitions de mitrailleuse. N'empêche, la vue est belle. Hein. Ça a beau être un gros JPEG, ce truc-là, c'est la vue est belle. Soin dentaire, indolore. Putain.
Ah, je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. C'est le moment qui m'a fait le plus flipper dans toute l'histoire de ce jeu. De tout ce jeu, c'est ce moment-là qui m'a fait le plus flipper. Amélioration. Super pirate. Réduit les vitesses de fou. Vous imaginez, la première fois que vous faites le jeu, vous retournez, il y a un mec comme ça, à 50 cm de votre visage. Ce moment-là m'a traumatisé. J'avais dû arrêter le jeu. Et oui, j'avais arrêté le jeu, il me semble. Mais non, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ça ne marchera pas. Ah merde, j'ai pas eu le temps de prendre ma baramine. Hop, un pistolet, un chromosome. Ah merde, l'alcool. Putain, faut jamais prendre de l'alcool. Ah, chevrotine ionique, donc c'est des balles qui électrisent en fait. Une sur perforante, un outil de piratage. C'est toujours très bien de visiter dans les coins. Toujours, toujours, toujours. Le mot d'ordre de ce jeu, c'est toujours visiter. Seulement 4 cartouches dans le machin, je suis pas sûr que ce soit. Il me semble que c'est plus, ce serait plus. Bah, c'est peut-être. Ah, après, c'est un vieux fusil à pompe, donc c'est peut-être normal. Merlot, whisky, munitions. Une armoire, écrit et pommes chips. Ouais. Toi, tu vas me tirer dessus. Tout ce que vous voulez qui va me tirer dessus, ce type. Test de la kinésie. Test clinique, l'eau 23, docteur Souchon, client Fontaine Sécurité. Les recherches sur le plasmide de télékinésie avancent bien. Levage d'objets à distance positif. Déplacement d'objets dans l'espace positif. Impossible d'arrêter une balle, mais peut capturer et lancer des objets rapides. Le problème ne vient pas du plasmide, mais du temps de réaction. Souchong a une idée pour un nouveau plasmide. Alors, ce qu'ils ont réussi à faire dans la VO et ce qu'ils n'arrivent pas trop à faire dans la VF, c'est qu'en fait, Souchong est un Asiatique. Et là, on sait pas du tout que c'est un Asiatique. On sait, c'est un cliché racial, mais quand même, c'est le petit détail qui touche. Télékinésie. Donc là, je vais devoir déplacer un de mes plasmides, vu que je n'ai pas d'emplacement. Je virai l'incinération. Lancez des objets sur vos ennemis. Attrapez leurs grenades au vol pour les leur renvoyer. C'est un de mes plasmides préférés, celui-là, honnêtement. Vous allez voir. Ah merde. Tiens. Hop. Vas-y, avance, enlève, envoie. Bon, je vais pas. C'est plus, je m'en vais. Et ce plasmide-là, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que. Hop, bonjour. Pef. Qu'est-ce que tu veux? Un autre coup? Pef. C'est vraiment le plasmide le plus cheaté du jeu avec le vent sonique. Le vent sonique qui est aberrant. Simplement. C'est un plasmide gratuit. Et en fait, il fait voler tout ce qu'il y a devant vous. Le plasmide est gratuit en fait. Enfin, il coûte un Adam. On a des objets de piratage. Donc, hop, ouvre le coffre. Je prends ce qu'il y a dedans. Des pansements. Hop. On va le voir ici quand même. La chevrotine. Plus d'argent. Oui. Tiens, j'ai pas un truc à lui envoyer à la tronche. Ah. Ah. Pot de fleurs. Viens par ici. Tu me fais perdre mon temps et pas de mon problème. Vas-y. J'ai une idée. Pef. Vas-y, on joue au baseball. Vas-y, on joue à Pong. Ah, j'adore. Ben, on va bientôt se quitter, encore 2 minutes, n'est-ce pas? Hein, je regarde beaucoup l'heure, je sais, mais
je vous dis là c'est plus important que jamais, parce que mon PC est bientôt plein, j'ai pas envie que ça coupe en plein milieu de l'épisode comme le dernier, ce serait vraiment dérangeant pour vous comme pour moi. Et moi je visite comme ça, j'avance pas dans la quête là en ce moment, mais c'est le but hein, honnêtement. Il y a une caméra. Hop. On abat la caméra. Combien ouais. 64$, hop, autopirate. Tac, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ça c'est bon banania, comme dirait Locrim. Locrim que vous n'avez pas vu sur ma chaîne, mais que vous pouvez aller voir sur la chaîne Lock and Master Production. Une chaîne qui fait que du LOL, pratiquement. Attendez, monsieur Wallace. Oui, monsieur Souchong. Parfait. Bon, je vous présente le lot 44. Le nom de code du lot 44, c'est Rage, à cause de sa tendance à... Tenez-le bien, pas de carrière. Tenez-le. Voilà, la troisième catégorie de passif. Et on va se quitter là. Donc, augmenter les gains infligés avec la clé anglaise, donc c'est très très bien. Donc vous avez pu voir que Souchong n'hésitait pas à faire des tests sur des humains là où on faisait des tests sur des animaux avant. Elle est pas censée mourir? Mais elle est sur de l'eau, elle est censée mourir. Connasse. Hop, continuons. Je vais vous ouvrir. Bam. Ah merde. Il a réussi à me faire des dégâts post-mortem. Putain merde. Et nous allons nous quitter là. Paf. Je vais sauvegarder bien entendu pavillon médical. C'est la sauvegarde. Et je vous dis à la prochaine pour le quatrième épisode de BioShock. Salut tout le monde.